Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui nouveau vlog de Car Spotting à Cannes. On perd pas de temps, on va tout de suite sur la croisette voir ce qui se passe. C'est parti. Juste après avoir vu la magnifique Veyron édition merveilleux, une petite Aventador. C'est toujours ça. En plus, il est chaud lui. Alors devant le canton, une petite nouvelle qui vient d'arriver, qui nous vient du KSA. Bentley GT3R en Grinardo. Avec les petites touches de verre à l'intérieur. Siège sur percure en verre. GT3R. Le béquet en carbone. Les pots d'échappement spécifiques à la GT3R qui sont de chez Akrapovic. C'est même marqué là GT3R sur les échappements, avec un joli ronronnement intérieur en carbone. Ça j'adore, petites aérations en carbone à l'avant. Je vais vous montrer un petit Range Rover couleur un peu spéciale. On le voit pas trop bien là, mais il est un peu vert et fait caméléon. C'est pas très bien perspective à la vidéo, mais franchement c'est cool. Je sais pas si vous le voyez bien. Sinon on n'a pas grand chose au... à l'hôtel Martinez. On a pas mal de Rolls, de Bentley. Voilà, on a l'AMG GTS avec une plaque arabe.
avec les ronds de la Edition One. Les pneus custom qui sont sympas. La petite bande à l'avant aussi. Et on a sa sœur jumelle en blanche. Avec l'intérieur rouge. Très sympa. Et aussi les pneus custom. Donc les deux ont exactement la même config avec la couleur qui change. Je vais vous expliquer un peu ce qui change sur la croisette, donc au niveau du spotting. C'est que vous avez donc toute la partie donc de gauche qui est complètement fermée à la circulation. Et du coup la partie de droite en fait ça fait en deux voies. Et donc les deux voies là elles se font depuis l'hôtel donc Martinez juste à quasiment l'hôtel Majestic. Du coup je pense que ça peut faire des combos sympas devant le Carlton quand il y aura un petit peu plus de voitures, parce que là ils sont pas encore tous arrivés. Même au Martinez c'est assez calme hein. À part des voitures de location, il n'y a pas grand chose pour cette soirée. Petit avantador sur le black. Je vais terminer cette première partie du vlog donc sur l'Aventador bleu. Je vais faire un montage sur 2-3 jours de vlog parce qu'aujourd'hui c'était très calme, à part la Veyron Super Sport merveilleux qui était magnifique. Le reste c'est resté comme assez basique, pas grand chose. Donc je vais étaler le vlog sur plusieurs journées, comme ça il y aura plus de contenu dans la vidéo. Donc vivement demain. Et on reprend une nouvelle journée donc de car spotting à Cannes. Et juste avant d'aller à la plage, je tombe sur une livraison devant le Carlton. On a l'Aventador bleu, bien connu des réseaux sociaux, avec une plaque V12 HSN. Et juste derrière, on a une autre Aventador. Mais une SV rouge et une S63 MG par défaut. On va attendre qu'elle démarre la V12 HSN parce que je sais qu'elle fait un bruit de folie. Regardez-moi ça, Aventador SV Roadster bleu. Devant le Carlton,
La line-up commence à se former avec la FF Novitec, suivi du classe G Brabus qui ne bouge pas d'un poil. Et regardez-moi ce qui vient d'arriver. Aventador SV. Aventador SV bleu avec l'intérieur noir et orange. L'écriture en orange, elle est magnifique celle-là. Il a mis les échappements sport de chez Lamborghini. C'est une pure tuerie. Juste derrière, dommage qu'il y a un Cadillac qui nique le combo. L'Aventador bleu V12 HSN avec les échappements full Capristo. Ah, d'ailleurs, je vois une plaque 50e anniversaire, mais pour moi, celle-là n'a jamais été une 50e anniversaire. Hein. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des informations, mais pour moi, elle n'a jamais été 50e anniversaire. Pourtant, il y a une plaque, mais bon, on verra bien. Et encore une Aventador SV rouge. Peu comment en rouge comme ça. Elles sont surtout rouge Bordeaux d'habitude. Et là, oh my god, je viens juste d'apercevoir une tuerie, j'avais même pas vu. Porsche 959. Ok. Sorry. Ok, alors ça, j'avais même pas vu. Regardez-moi ça. Avec une jolie California derrière, mais là, la 959, j'étais pas prêt. Hein. J'étais absolument pas prêt. Je viens de tomber sur une pépite, une voiture que j'adore particulièrement. Murcielago, première génération. En rouge avec des jantes grises, ça c'est le purisme à l'état pur, avec le petit béquet qui va avec, une plaque du Koweït, mais elle est juste wonderful. Les jantes grises. Boîte manuelle, intérieur rouge, mais on ne le voit pas. Je vous la remonte un peu mieux. Je ne sais pas si vous aimez les Murcielago comme ça. Mais regardez-moi ce profil. C'est tellement rare de voir des Murcielago première génération maintenant. On voit plus des LP140 et surtout des Aventador. Donc ça fait super plaisir de voir une très belle Murcielago. Elle est juste magnifique. Là, il y a encore du bon qui est en train de se faire livrer. Regardez ça. Aventador Tron qui arrive sur la croisette. Et juste en face, une Turbo S bien méchante. Deco Martini. On a toujours les Aventador ici. Avec les 4 pots d'échappement, à mon avis, elle doit faire un super bruit. Thank you.
derrière toi. Ça va? F12 Grimat, Aventador 50e anniversaire qui vient de démarrer. Avec les voituriers du Carlton qui font travail au milieu de la route. Normal. Véritable bordel. Petit moment d'excitation sur la croisette. On a la super sport merveilleux qui passe. Regardez-moi ça. Spécial Aperta. Elle fait partie du même crew que deux voitures précédentes. La Team Tink Tank Tank. Là, on a une Rolls Ghost. Ouais, ok, d'accord. On a du or, on a du effet marbre sur le côté. Ouais, bon, le proprio a dû fumer, clairement. Hein, c'est très moche. Hein. C'est très, très moche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, non merci. Et voilà, deuxième vlog sur le car spotting à Cannes terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, blablabla, blablabla. Vous connaissez. Allez, à la prochaine. Ciao.